On y va? Allons-y, allons-y. J'ai tout effondré. Et quand on venait ici, là il n'y avait pas de pont bien sûr, là il y avait un figuier dans le coin là, qui poussait. Oui. Hein, tu ne pouvais pas passer. Nous on faisait le tour par là-bas derrière, on passait par la meurtrière et on montait. Là maintenant, bon, il y a plein de souterrains là-dedans. Là. Moi tu as la paix, tu vois. Ah ouais, le sacré but, attends, quoi d'un peu dit. Bah, sublime. Voilà. Oui, on est plein, hein. Ouais, mais t'as vu, ouais, mais là, en ce moment, c'est normal, t'es au mois d'octobre. Mais bon, mais... Avant, il y avait trois bateaux en plein été, là, comme ça, là, hein. Autant que j'étais jeune, hein. Je vais rester là un peu, je te laisse... Ah bah je vais aller tout droit. Allez, parfait. Putain, il y a un peu de poussière. Hein. C'est juste parce qu'il est, normalement, lui, il n'est pas là, donc je trouve ça top quoi, qu'il puisse, lui, s'installer ici, alors que c'était pas prévu. Après, je sais pas comment il est arrivé. Mais bon, j'aime bien la terre et j'aime bien ce type d'exploit. Il n'est pas venu tout seul, hein. D'ailleurs depuis il n'est pas parti, puisque s'il pouvait il serait parti dans une région qui était plus sympa pour lui peut-être. Mais bon il est quand même là et donc il résiste, il vit et c'est peut-être pour méditer, c'est un bel endroit aussi. En fait quand je suis arrivé à Porquerolles, deuxième soir où je suis arrivé, le frigo vide, il n'y avait pas possibilité de faire des courses. Donc la première fois, j'ai été dîner un soir là-bas, dans un coin, tout seul. Et puis j'ai sympathisé avec le patron. On est devenu pote, c'est devenu mon meilleur ami sur l'île. L'année dernière, je vivais seul, ma famille m'a rejoint après. Donc vivant seul à l'hôtel, travaillant à l'hôtel, j'avais besoin d'une coupure. J'avais besoin d'aller à l'extérieur, quelque chose. Et en fait, je me suis retrouvé ici et ils ont fait office un peu de famille, de substitution. En attendant que ma famille revienne. Voilà, c'est le moment où l'endroit où vraiment rapproche un peu la vérité. Déjà sur l'île, c'est la vérité, alors voilà. C'est cool. On dirait que. Quand les gens en parlent, on dirait que c'est vraiment, vraiment quelque chose de fort, que vraiment quelque chose de qui va droit dans le cœur. Et effectivement, enfin, tu vois, quand tu viens ici, moi, j'ai rien n'importe où rouler pour l'instant, mais peut-être que même jamais, on ne sait jamais. Mais le truc, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Finalement, on a beaucoup plus de liberté que sur le continent. C'est ça qui est magique. Il y en a qui l'appellent l'île aux enfants. Et je comprends un petit peu. C'est l'endroit où mes parents venaient, mon grand-père venait pêcher ici, mon père aussi. J'ai plein de souvenirs d'enfants. La solitude aussi, c'est pas mal. Et là, tu es devant la tombe de mon papa. C'est l'endroit où il venait tout le temps pêcher, c'est l'endroit où il a attrapé le plus de poissons dans sa vie, c'est là où il m'a appris d'ailleurs. Et il avait décidé de finir avec eux, donc il est là. Ici. Alors ne montrez pas, ne vous empressez pas, de vous conduire en terre dans le vieux cimetière, où le tombeau m'attend, mais en s'y entassant, pourrait déranger les parents. Voudrais être enterré sur le fond du sommet, au fait de mon enfance, à l'ombre du grand pin, auprès du souterrain, du fort de la repentance.